Nous savons tous que pour être un bon prêtre, il faut être d'abord un homme équilibré. Voilà. La conséquence est que nous mettons d'abord l'accent sur la formation humaine. La formation humaine. Le développement des qualités comme la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, et la fidélité à la parole donnée, ainsi de suite. V našej farnosti máme momentálne troch malých chlapcov, ktorí sú v malom seminári v Natitingu. Všetci traja pochádzajú z dobrých kresťanských rodín, kde sa kresťanstvo naozaj žije. Či sa stanú neskôr kňazmi alebo nie, sú pripravení pre spoločnosť a pre cirkev. Či sú z nich potom neskôr nejakí lekári, právnici alebo niečo iné, majú už ten dobrý náboženský základ kresťanský. Sú dobrí otcovia, sú dobrí laici, sú dobrí katechéti. Je crois que la première chose qui peut permettre aux hommes de notre temps de connaître Dieu, de rencontrer Dieu, de voir le vrai visage de Dieu, c'est l'amour, c'est la charité. Ce n'est pas d'abord de faire œuvre d'assistance sociale, non. C'est d'abord de manifester l'amour de Dieu à tout le monde en les aimant, en les acceptant comme mes frères. Et au-delà de ça, puisqu'il ne faut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas, si j'ai des moyens que je peux partager avec mes frères qui sont en difficulté, c'est aussi les aider avec ces moyens-là.